BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Fabian Minguin, échevin des affaires économiques à la ville de Bruxelles. Bonjour Fabian Minguin, merci d'être avec nous pendant quelques minutes à distance. On va évidemment parler des conséquences du Covid-19 sur les commerces dans leur ensemble, avec d'abord une bonne nouvelle pour le retour des coiffeurs, c'est théoriquement pour ce samedi. C'est un secteur important pour la ville de Bruxelles ? C'est un secteur important, mais tous les secteurs sont importants. Ce que je crois qu'il est important, et on peut se réjouir effectivement qu'une partie des métiers de contact puisse réouvrir, le problème aujourd'hui, c'est les perspectives pour les autres métiers de contact. Et je crois véritablement qu'il va devoir à un moment y avoir un changement de matrice de décision par rapport à ça. L'ensemble des secteurs, on peut évidemment penser à l'Horeca, aux boîtes de nuit, doit pouvoir ouvrir, et on doit pouvoir parler de sécurité sanitaire. Mais il est possible aujourd'hui de réouvrir toute une partie de ces secteurs sur base de normes sanitaires. Ce que moi je déplore, c'est que dans ces codéco, on regarde les chiffres de contamination, d'hospitalisation, on regarde finalement les échanges sociaux et pas la question de la sécurité. La Fédération Horeca, nous avons par exemple travaillé sur un protocole CoronaSafe pour le monde de l'Horeca qui n'est même pas analysé par le GEMS et par le codéco pour voir si une perspective de réouverture est possible ou pas, indépendamment des chiffres de contamination, pour réouvrir de manière safe. Ça doit aujourd'hui être le changement de paradigme important qui doit guider la décision politique. Ça veut dire que pour vous, on pourrait rouvrir un certain nombre de secteurs à partir du moment où il y a des protocoles qui sont clairement définis et appliqués. J'ai bien compris ? Tout à fait, c'est ça que nous demandons, c'est ce que nous avons proposé avec Défi. Je crois qu'il est urgent que, plutôt que de se bisbrouiller avec les experts comme le fait une partie du monde politique, il est urgent que les experts puissent se pencher sur ces protocoles, sur ces solutions concrètes pour assurer la sécurité sanitaire et donc permettre la réouverture. Je crois que le débat aujourd'hui entre ceux qui disent « attention, les chiffres sont hauts et il y a toujours un risque » et ceux qui disent « il faut pouvoir réouvrir sans tenir compte de la sécurité sanitaire » est stérile. Je crois qu'il y a des solutions de sécurité qui existent. Nous travaillons là-dessus avec la Fédération Horeca, avec le professeur Nathan Klumek par exemple. Et donc, je crois qu'il est urgent de pouvoir travailler sur ces protocoles, car sans ça, le débat est infini par rapport aux chiffres de la propagation du virus. Ouais, ce que vous dites, c'est quand même un petit peu l'inverse de ce qui est défendu par le comité de concertation et par un certain nombre d'experts. Les experts, ils sont plutôt dans l'idée, à chaque fois qu'on ouvre un robinet, on prend un risque de propagation. Et donc, si on en ouvre un quelque part, par exemple chez les coiffeurs, on doit d'abord attendre, vérifier que ce robinet-là n'a pas trop de fuites dans la contamination avant d'ouvrir le suivant. Vous n'êtes pas du même avis ? C'est pour ça que je dis qu'on doit changer le paradigme de réflexion. Je crois qu'on doit pouvoir voir quels sont les robinets qu'on peut ouvrir de manière safe. Et il y a aujourd'hui des solutions techniques qui existent, la technologie UVC, les filtres à air. Et donc, on doit pouvoir ouvrir en fonction des critères de sécurité sanitaire. Et je crois qu'il y a là un changement dans les modes de réflexion qui est possible et qu'il devient urgent de mettre en place. Il faut encore que les protocoles soient respectés, Fabian Minguin. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'à la ville de Bruxelles, samedi prochain, puis dans les semaines qui suivent, on va inspecter ce qui se passe chez les coiffeurs, s'assurer qu'ils portent bien un masque, qu'ils ont bien désinfecté le fauteuil et le matériel entre deux clients, qu'ils ont bien le détecteur de CO2 qui permet de vérifier qu'il y a une ventilation suffisante. Il y aura des vérifications ? Je crois effectivement, et vous l'avez dit, si on déconfine, il faut que les mesures puissent être appliquées. Il en va d'abord de la première responsabilité du commerçant qui doit assurer sa sécurité, la sécurité de ses travailleurs, mais de ses clients. Mais effectivement, il doit pouvoir y avoir des contrôles. Je le dis, aujourd'hui, des secteurs ont besoin de réouvrir, mais doivent pouvoir le faire de manière sécurisée. Alors, on a eu un débat, c'était vendredi, avec deux représentants du secteur Horeca, et on a beaucoup parlé, et vous venez d'y faire référence, à des mesures possibles de filtration de l'air, de ces espèces de systèmes de lampes UV qui permettent de purifier l'air aussi. Et on s'est posé aussi la question de savoir, est-ce que c'est efficace ? Est-ce que c'est financièrement soutenable ? Et notamment dans l'Horeca, est-ce que ça pourrait être une réponse ? Ça pourrait être une réponse pour vous, et ça veut dire qu'on va demander aux restaurateurs de s'équiper ou on va devoir les aider à s'équiper avec des instruments de ce genre-là. On sait qu'il y en a un qui a été acquis par le palais du Hesel, hein, mais on ne l'a pas encore vu fonctionner. Il va pouvoir refonctionner, parce que vous le voyez, le palais du Hesel va accueillir sa première exposition ici pour les vacances de carnaval, une manière de réattirer aussi ceux qui veulent profiter de leurs vacances en Belgique à Bruxelles. Mais je crois effectivement que ce genre de solutions sont l'avenir dans cette crise du Covid, mais éventuellement dans d'autres pandémies qui pourraient arriver par la suite. Et donc cette sécurité sanitaire doit pouvoir être étudiée, doit pouvoir être validée. Nous travaillons à cela à la ville, mais je crois qu'aujourd'hui le débat doit être mis de manière plus large au sein du groupe des experts fédéraux. Et je crois effectivement qu'il faut pouvoir se pencher, valider ces systèmes. Après,
Il est certain qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des trésoreries de nombreux commerçants, c'est monté un coût, c'est un investissement supplémentaire. C'est plusieurs milliers d'euros quand même. Il serait effectivement intéressant de pouvoir les aider à s'équiper, mais il faut d'abord et avant tout que cela puisse être validé et surtout que si on valide ces systèmes, si l'investissement est fait, il y a une réouverture à la clé. Oui, ça veut dire que s'il faut payer plusieurs milliers d'euros pour un restaurant, la ville de Bruxelles va aider les restaurants de son territoire ? Moi, j'avais déjà interpellé le fédéral, la région, la ville, les pouvoirs publics doivent pouvoir prendre leur part. Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, c'est la validation de ces systèmes comme condition de réouverture qui est l'urgence. Ouais. Pour l'Horeca, on entend qu'il y a quand même beaucoup de débats qui sont en train d'arriver. Donc, on a compris que les métiers de contact hors coiffeur, ce serait a priori pour le 1er mars. Pour l'Horeca, on parle maintenant du mois d'avril. Votre sentiment à vous, c'est on doit aller vite parce qu'il y a un enjeu économique et puis un enjeu psychologique aussi, où on doit être le plus prudent possible et éviter de jouer au yo-yo avec les mesures. Alors, ce que tout le monde s'accorde à dire, c'est qu'on ne peut plus réouvrir et jouer au yo-yo. Donc, si on réouvre, ça doit être la bonne. C'est pour ça que j'insiste sur ce protocole de réouverture C, pour faire en sorte que cette réouverture ne soit pas, comme vous dites, un robinet de contamination, mais puisse se faire dans la sécurité sanitaire, parce que c'est le premier des enjeux. Par contre, il est vrai qu'il y a aujourd'hui une urgence économique, ne nous le cachons pas, à permettre à ces secteurs de survivre. Et c'est vrai que, par exemple, l'abandon du moratoire met aujourd'hui, sur ces secteurs qui sont toujours fermés, une énorme pression et un risque important de créanciers qui pourraient déclarer faillite, avec notamment les propriétaires et souvent les brasseurs qui ne jouent pas le jeu par rapport au loyer des commerces qui sont actuellement fermés. Et donc, effectivement, il y a une urgence là, économique qui doit être entendue et d'autant plus accru par le risque que fait peser cette levée du moratoire sur les faillites sur ces secteurs encore fermés. Ouais, les brasseurs ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire que vous avez connaissance de cafetiers qui doivent leur loyer au brasseur qui est propriétaire des murs ? De manière encore plus inimaginable, j'ai, outre ceux qui demandent encore le loyer, j'ai même des témoignages de commerçants aujourd'hui qui me disent « mais ils ont fait parfois un geste, un ou deux mois sur le loyer, mais ils refusent de nous faire l'attestation qui nous permettrait de bénéficier de la mesure bruxelloise de prêt pour payer les loyers. » C'est tout à fait ignoble, inhumain, je suis vraiment très fâché et je crois qu'il y a un véritable appel à la solidarité qui doit être fait. Heureusement, ce n'est pas le cas de tous les propriétaires. Certains ont encore de bonnes relations avec leurs locataires et essayent vraiment de les aider. Mais il y a malheureusement un certain nombre de propriétaires qui ne jouent pas le jeu. C'est désolant au regard de la crise économique et de l'insécurité dans laquelle se trouve aujourd'hui, dans le désarroi dans lequel se trouve aujourd'hui une partie, notamment du monde de l'Horeca. Alors, il y a eu beaucoup d'aide de la part du gouvernement fédéral avec le droit passerelle, par exemple, de la part de la région avec des primes régionales. Il y a eu aussi spécifiquement pour la ville de Bruxelles, des aides qui ont été distribuées par la ville de Bruxelles. C'est terminé, ces primes communales. Pourquoi est-ce que c'est terminé ? Est-ce que vous pouvez les relancer ou pas ? Alors, ils ne sont pas tout à fait terminés. Ceux qui ne l'ont pas encore demandé peuvent encore les demander pour les snacks et petits horeca jusqu'à fin février, pour les restaurants jusqu'à fin mars. Donc, il y a encore la possibilité de les obtenir. Mais c'était une prime une fois, hein ? Mais c'est effectivement en complément des aides régionales. Ça n'est pas terminé parce que le gouvernement bruxellois vient de décréter un nouveau train de mesures avec notamment des primes pour le secteur horeca touristique qui, on le sait, a été plus durement frappé, notamment dans le centre-ville que dans d'autres quartiers. Et donc, en fonction de la perte de chiffre d'affaires, les primes pourront être très conséquentes. Donc, il y a encore des mesures qui vont arriver. Mais quoi qu'il en soit, toutes ces aides publiques, tout le monde s'accorde à le dire, ne remplaceront jamais le chiffre d'affaires. C'est parfois anecdotique par rapport aux charges des commerçants, d'où l'enjeu crucial de la réouverture. Alors, un mot sur le marché du jeu de balle. Il est toujours fermé. On voit qu'il y a certains marchés qui sont rouverts avec des protocoles particuliers. On compte l'affluence, on limite la densité, ce serait possible au jeu de balle ou c'est pas possible ? Ce serait possible au jeu de balle. Nous l'avons fait entre les deux confinements. Aujourd'hui, la situation du jeu de balle et du marché du sablon est un véritable scandale, une iniquité sans nom, due à un oubli dans l'arrêté ministériel. Quand, début décembre, on déconfine les secteurs dits non-essentiels, terme absolument inapproprié, on oublie de retirer de l'arrêté ministériel le marché brocante de l'interdiction d'ouvrir. Et donc aujourd'hui, un marchand de biens qui pourraient aller travailler sur le marché de la Chaussée d'Anvers sur la place Boxtal ne peut pas travailler sur un marché de la place du jeu de balle. Nous demandons au fédéral, nous avons essayé de l'obtenir vendredi, mais le Codeco n'a pas statué, la réouverture immédiate de ce marché, avec un enjeu supplémentaire, et je sais que la secrétaire d'État y est sensible, je l'y ai sensibilisé, qu'entre-temps, ces marchands n'ont même pas le droit aux primes parce qu'ils sont considérés comme ouverts alors que leur marché est fermé. Donc vous demandez au fédéral, au comité de concertation, de pouvoir revenir rapidement sur cette décision-là. Il faut corriger cet arrêté ministériel et permettre la réouverture d'un marché de plein air,
selon le protocole applicable à l'ensemble des autres marchés, il en va de l'avenir économique, non seulement des marchands, mais également de tout un quartier qui est celui des Marolles. Ouais, une dernière question sur le moratoire sur les faillites. On sait que vous y êtes, vous êtes favorable à sa prolongation, alors que le fédéral a décidé finalement d'arrêter ce moratoire, de lever ce moratoire sur les faillites en expliquant dans les créanciers, il y a aussi des entreprises qui sont en demande. Vous avez peu de chances d'être entendu, Fabien Maguin. C'est un peu un combat solitaire. Moi, je me déplore. Je suis toujours prêt à me battre, même de manière solitaire, pour défendre les commerçants et les entreprises. Je crois qu'il faut permettre la jonction jusqu'à la PRJ nouvelle, qui est une bonne idée. Donc la PRJ, c'est la procédure de réorganisation judiciaire, qui permet à un tribunal de statuer sur les créances. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens à des commerces qui sont toujours fermés de leur dire entamer une PRJ et ne pouvez pas bénéficier du moratoire sur les faillites. Je trouve que c'est une erreur, effectivement, dans l'accompagnement des entreprises et des commerces. Et je suis prêt à mener ce combat encore seul pour défendre l'intérêt des commerçants. Merci beaucoup, Fabien Maguin. Je rappelle, vous êtes l'échevin en charge des affaires économiques à la ville de Bruxelles. Merci d'avoir été avec nous ce midi.